Bonjour à tous, merci d'être là. Excusez-moi un peu pour le retard, hein. J'ai un peu de... ça vous a permis de faire connaissance? Ok. Déjà, vous avez vu que les plateaux étaient au-dessus, hein, pendant que nous, on écrit... À la cave. Non, t'exagères, enfin, c'est pas une cave, c'est plus un sous-sol. Ouais. Bon, en ce qui concerne le... Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de diriger le pool de scénaristes. Ah non, c'est moi qui dirige le pool de scénaristes. Hein. Les cours de striptease pour préménopauser, c'est au troisième. Qu'est-ce que tu fais là? Je déconne, Abraham. Assieds-toi. Merci. Ah, les amis, vous êtes tous là? Ah, attends. Il y a un problème là. C'est avec Sophia. Et pourquoi? Parce qu'elle t'a largué pour avoir couché avec sa sœur. Super, c'est ce que j'ai essayé de te dire là avec le. T'as couché avec sa sœur? Cool, mec! Un jour, j'ai dragué la mère et la fille, un truc de dingue! Ah, je te jure que si la fille avait pas été ma cousine, je me faisais les deux. Eh hey, mec, tu t'es fait la sœur de ta meuf? Pas du tout, je... Ah non! Quoi? C'était ta demi-sœur, et puis... c'est privé, quoi. Exactement! Alors par contre, j'ai pensé que, malgré le travail formidable hein, que tu as fait l'année dernière, pour cette nouvelle saison, ça serait bien que tu travailles en binôme. Hein, et comme tous les deux ensemble, vous êtes les meilleurs. Hein, Alice et Rémi. Ah, quelle série! Ah, et comment ça s'appelait la sitcom que vous aviez créée là? J'adorais ça là. Et Claude Conne là! Mais enfin, là je crois que c'est pas possible qu'on rebosse ensemble. Mais bien sûr que si! Faut juste que cette fois-ci tu tapes pas sa sœur, c'est tout. Voilà. Bon, allez, hein, je vous laisse bosser, vous avez du boulot. Ciao! Ah, oui, si. Une autre surprise? Non, trois fois rien. Mais tu te souviens comment l'année dernière j'avais été agressé par toutes ces critiques, ces attaques qu'on avait reçues? Comme quoi on sait pas écrire de série à la française. Oui, on sait pas écrire à plusieurs. M'en souviens. Hein? Alors, j'ai pensé que pour cette année, vous allez être suivi par une équipe qui va faire un reportage sur vous. Voilà. Oh putain. Attends. Oh, qu'est-ce que... On n'avait jamais parlé de ça? Ah mais transparence, hein, nous on n'a rien à cacher, hein. On va leur montrer si on sait pas écrire de la fiction. Oui. Non mais attends, on ne fait pas de confession caméra, ok? C'est trop naze. C'est une bonne première journée, ouais. C'est une prise de contact, hein. On apprend un peu tout ça à se connaître. Sauf avec Sophia, bien sûr que je connais. Hein. Ouais, j'ai même vu à poil, hein. Comme des milliers d'internautes d'ailleurs. Ouais. Bien que je condamne avec virulence la personne qui a posté ces photos, m'a d'ailleurs accusé, à tort, et je tiens à le répéter encore une fois, je n'y suis pour rien. Je sais que c'est Dan qui a mis les photos. C'est lui qui les a prises. C'est son appart? C'est sa chambre? Dans le fond, on peut même voir un portrait de sa mère. Oui, parce que monsieur a une photo de sa mère sur sa table de nuit. Enfin bon, on n'est pas là pour régler nos comptes. On va être pro. Une équipe à diriger. Alors, je m'appelle Abraham. Ok, je suis juif. Vous pouvez envoyer vos vannes, comme ça sera fait. Ok, le sarcasme silencieux. Pas mal. Sinon, parle-nous un peu de toi. J'ai pas mal bossé aux États-Unis ces dernières années. À New York? Ah ouais, d'accord. Juif, donc Woody Allen, donc juif new-yorkais, le vieux cliché pourri. Ah non. Non, je dis ça parce que t'as un t-shirt I love New York, c'est tout. Clotilde, bonjour. Alors, si tu nous parlais un peu de toi. Tout compris, non? Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est un beau parcours. On y reviendra, voilà. On attendait aussi Milou, c'est ça? Mais Milou, mec. Ah, bah, on fait une petite pause déjeuner? Un sushi pour tout le monde? Ah bien sûr, parce que je suis juif, on commande des sushis. Forcément, je mange cachère, forcément, je peux pas manger de viande. D'accord, on s'enfonce dans les clichés. Non, mais si tu veux, on peut commander des brochettes de poulet. Hein. Non, je mange cachère. Alors, il y en a pour 137 euros. Fait combien par personne, ça? Tout de suite, on se retourne vers le fudge de service. Hein. Évidemment, dès qu'il y a des comptes à faire, c'est pour moi. 34,25 euros par personne. C'est fou, hein? Fou le nombre d'idées qu'un scénariste peut avoir quand il dort. En fait, son esprit ne s'arrête jamais de travailler. Non. Pas le doigt. Pas le doigt. Ok. Vas-y, mais pas plus que long, là. Hein.